Alors, bonjour et bienvenue au webinaire de l'Agence de la santé publique du Canada destiné aux fournisseurs de soins de santé. Mon nom est Claudine Chevrier. Je suis gestionnaire de projet au Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, le CCNMI. Alors, le CCNMI est financé par l'Agence de santé publique du Canada pour fournir des connaissances et des données probantes à utiliser dans la planification et les politiques de santé publique. En ce moment, le CCNMI soutient l'agence dans l'application des connaissances pendant la réponse à la pandémie de COVID-19. J'aimerais souligner que le CCNMI est situé à l'Université du Manitoba, sur les terres originales des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene, et en plein cœur de la terre natale de la nation Métis de la Rivière-Rouge. Avant de vous présenter notre modératrice pour le webinaire aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de quelques petits détails d'ordre administratif. Alors, comme vous avez sûrement remarqué, nous diffusons ce webinaire à l'aide de la plateforme Zoom. Si vous avez des questions d'ordre technique sur la plateforme, vous pouvez nous écrire au nccid@commercialumanitoba.ca, comme c'est écrit à l'écran en ce moment, et on fera de notre mieux pour vous aider. La session de questions et réponses d'aujourd'hui portera sur les vaccins, sur les vaccins contre la grippe saisonnière et les antiviraux. La session se déroulera en utilisant l'onglet QEA ou QER qui est situé au bas de votre écran. Vous pouvez aussi aimer en cliquant les questions des autres pour les faire monter en priorité. Nous essaierons de répondre à autant de questions possibles, mais il se peut que ça ne soit pas possible de répondre à toutes les questions, alors toutes nos excuses pour ça. Les autres utiliseront l'onglet chat ou de clavardage pour communiquer davantage avec les participants, alors c'est une bonne idée de garder un œil sur cet onglet-là également. Finalement, l'enregistrement de ce webinaire et les diapositives de présentation seront disponibles peu après le webinaire au site internet nccid.ca, donc nccid.ca. Je cède maintenant la parole à notre modératrice, Annie Florent-Céline, infirmière autorisée à l'Agence de santé publique du Canada. Alors, Annie, c'est à vous. Bonjour. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui pour modérer cet événement. Je tiens à remercier particulièrement le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, sans qui l'événement d'aujourd'hui ne serait pas possible. Merci de nous servir d'hôte et d'être un collaborateur aussi près de nous. Avant de continuer, je voudrais juste ajouter que durant le webinaire, on va vous inviter à répondre sans stress à des sondages, des questions pour tester votre connaissance sur les notions qu'on a apprises sur la grippe ainsi que sur les vaccins antigrippaux. Gênez-vous pas pour participer, on ne voit pas votre nom quand vous répondez et ça nous aide à aussi comprendre bien si vous avez bien intégré les notions qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Pour débuter, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à notre présentateur, Dr. Jesse Papenburg, qui est professeur adjoint de pédiatrie et un membre associé du département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail à l'Université McGill. Dr. Papenburg, il pratique les maladies infectieuses pédiatriques, donc ça c'est son champ de pratique, et la microbiologie médicale à l'hôpital de Montréal pour les enfants au Centre universitaire de santé McGill. Prochaine diapo. Je vous donne un instant pour consulter les déclarations pour la présentation d'aujourd'hui. Et la prochaine diapo. À la fin de ce webinaire, vous devriez être en mesure de discuter de l'importance de la vaccination contre la grippe saisonnière et de la vaccination contre la COVID-19 durant la pandémie de COVID-19. Vous serez en mesure de cerner et d'avoir des outils pour surmonter les obstacles à l'adoption du vaccin contre la grippe saisonnière. Vous pourrez appliquer les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation qu'on va désigner sous CCNI à partir de maintenant. Donc, leurs recommandations sur l'utilisation du vaccin contre la grippe saisonnière pour la saison actuelle. Et déterminer à quel endroit vous pouvez accéder aux déclarations du CCNI, à des lignes directrices sur les antiviraux et à d'autres ressources qui peuvent soutenir votre travail concernant la vaccination durant la saison grippale 2021-2022. Prochaine diapo. Maintenant, je cède la parole à Dr. Jesse Papenburg.
Merci beaucoup, Annie, et bienvenue à tout le monde aujourd'hui à ce webinaire. Merci beaucoup pour l'invitation. Prochaine diapo. Donc, on va commencer juste avec un peu de discussion de l'épidémiologie, le fardeau de la maladie associé à l'influenza dans le contexte hors pandémique. Et on parle évidemment de l'influenza saisonnier. Donc, mondialement, on sait que chaque année, la grippe saisonnière cause environ 1 milliard d'infections. On parle de 3 à 5 millions de cas de maladies graves et plusieurs centaines de milliers de décès. On estime que le taux d'attaque annuel mondial est de 5 à 10 % chez les adultes et probablement 2 à 3 fois plus chez les enfants. Évidemment, les enfants ont peut-être moins d'immunité de part d'avoir eu moins d'infections antérieures et leur socialisation est un peu plus intense et rapprochée, qui permet une meilleure transmission. Au Canada, la grippe et la pneumonie font partie des 10 principales causes de décès au Canada, donc un fardeau en termes de santé publique non négligeable. On estime qu'au Canada, la grippe cause environ 12 000 hospitalisations par année et 3 500 décès. Maintenant, on s'attend à ce qu'en 2021-2022, que ce soit possible qu'il y ait des éclosions simultanées de grippe et de COVID-19 au Canada. Très difficile de prédire ce qui va se passer dans la saison qui s'en vient, autant au niveau de la circulation du SARS-CoV-2 que pour l'influenza. Mais c'est évident que faire tout notre possible pour réduire la morbidité et la mortalité associée à la grippe permettra de diminuer le fardeau sur le système de soins de santé, comme vous savez tous, qui en ce moment est vraiment mis à l'épreuve. Prochaine diapo. Donc, si on regarde ce qui s'est passé l'année passée, vraiment une situation non seulement hors du commun, mais je dirais du jamais vu. En 2020-2021, vous voyez ici le nombre et le pourcentage de tests positifs pour la grippe. À gauche, si on regarde la figure à gauche, la ligne rouge représente le nombre de tests qui ont été effectués pour la grippe comparativement à la ligne pointillée noire et la zone grise qui représente la moyenne annuelle ou plutôt la moyenne hebdomadaire dans les années précédentes. Et ce que la figure à gauche démontre, c'est que on testait pour la grippe durant l'hiver passé. On cherchait l'influenza. Mais ce que la figure à droite nous montre, c'est qu'en réalité, on n'a presque pas du tout détecté de grippe durant la saison 2020-2021. 69 infections. Une partie de ça, en fait, qu'on pense qui était reliée à l'administration du vaccin vivant atténué. Donc, ce n'est pas vraiment une infection qu'on a détectée, c'est juste des restants du virus qui est un virus vivant atténué et qui peut être retrouvé dans les sécrétions nasopharyngées. Mais donc, la proportion de tests positifs n'a jamais dépassé le 0,1% l'année passée. C'est extraordinaire, alors qu'on sait que durant le pic de la saison grippale, on peut parler d'une proportion de positivité qui peut aller jusqu'à 25%. Donc, en résumé, il n'y a pas eu de circulation de grippe l'année passée, une situation vraiment qui n'a jamais été observée auparavant. Prochaine diapo. Et on n'est pas seul au Canada. C'était cette observation d'absence ou presque absence de grippe a été observée partout dans les hémisphères nord et sud. Et on pense vraiment que c'est dû à deux choses, en fait, qui sont tous reliées à la pandémie de COVID-19. Les mesures de santé publique pour freiner la transmission du SARS-CoV-2 et de la COVID-19 ont entraîné vraiment un arrêt des interactions, de la socialisation au niveau local.
ce qui a fait en sorte qu'il y avait moins d'opportunités de transmission de grippe et des autres virus respiratoires durant l'année 2020-2021. Et en mi-mars de 2020, lorsque au Canada, on a instauré ces mesures-là, on a vu vraiment que la saison grippale a été freinée de façon assez abrupte, ainsi que les autres virus hivernales qu'on retrouvait à ce moment-là. Et donc, cette réduction de contacts communautaires est importante pour freiner la transmission de la grippe, mais aussi un presque arrêt total de voyage. Donc ça, on parle de voyage entre communautés au niveau national, mais aussi de voyage international. Et lorsque, et on sait que pour qu'il y ait transmission de la grippe saisonnière et que pour que cette saison débute, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un ensemencement de souches de grippe dans un milieu typiquement, ces ensemencements-là ont lieu dans les zones plus peuplées, plus densément peuplées, comme les grandes villes, et ensuite vont s'écarter à partir de là. Et avec l'arrêt des voyages non essentiels, on a vu qu'il y a justement eu moins d'importations internationales de différents virus, dont la grippe. Donc, c'est difficile de dire maintenant qu'on est en train de relaxer à travers le Canada de façon très progressive et systématique les restrictions en termes de contacts sociaux et les autres mesures sanitaires. Qu'est-ce qui va se passer cette année alors qu'il y a de plus en plus de contacts sociaux et de plus en plus d'opportunités de transmission de virus et de plus en plus de voyages à l'international aussi? Mais je pense qu'on peut dire qu'il y a quand même des études de modélisation qui nous suggèrent qu'avec cette accumulation de personnes qui sont susceptibles à la grippe parce qu'ils n'ont pas été infectés, il n'y a personne au Canada qui a été infecté par l'influenza depuis 15 mois environ, étant donné qu'il y a une plus grande proportion de gens qui sont maintenant susceptibles à cette infection-là, si effectivement importation y a lieu, ça se peut très bien qu'on ait affaire avec une saison qui soit hors norme et plus importante que la moyenne. Pour contrebalancer ça, il y a le fait qu'il y a encore certaines mesures non pharmaceutiques, dont le port du masque, le lavage fréquent des mains. Et aussi, je pense qu'en général, les gens ont moins de rencontres sociaux, moins de contacts avec d'autres personnes. Disons qu'on ne se donne plus la bise quand on se voit maintenant. Donc, il va y avoir un effet. Quel effet sera plus grand? Les effets qui encouragent une saison sévère ou les effets qui peut-être font en sorte que possiblement la saison ne sera pas aussi sévère? Impossible de prévoir, mais une chose qu'on sait avec la grippe, c'est qu'elle nous réserve toujours des surprises et on doit être prêt à affronter potentiellement une saison plus sévère que d'habitude. Prochaine diapo. Bon, je pense qu'on est tous assez familiers avec les symptômes d'une infection grippale à l'influenza. On parle d'apparition soudaine, souvent de fièvre, souvent une fièvre élevée, la toux, principalement une toux sèche et des douleurs musculaires, des courbatures. Je pense que plusieurs d'entre nous qui avons déjà vécu une infection à influenza, moi j'en ai eu une H3N2 en 2010 ou 2011. Je me souviens très bien, je suis allé au travail le matin, je me sentais bien. À midi, j'étais de retour chez nous parce que je me sentais comme plus capable de rien faire. Zéro énergie, début de fièvre, vraiment, c'était assez soudain. Et ça, c'est typique pour une infection à influenza. On peut aussi avoir des maux de tête, des frissons, se sentir fiévreux, fatigué, perte d'appétit, maux de gorge, ainsi que rhinorrhée peuvent aussi avoir lieu. On sait que les enfants et les aînés vont peut-être moins avoir cette constellation caractéristiques de fièvre et toux dans leur présentation d'infection grippale. Et que chez les enfants, les symptômes gastro-intestinaux, dont les nausées, les vomissements, les diarrhées, sont plus fréquemment observés que chez les adultes.
La plupart des gens infectés par la grippe se rétablissent dans l'espace d'environ une semaine ou 10 jours, mais on sait bien qu'une forme grave de la maladie peut se développer et qu'il y a certains groupes qui sont à risque accru de complications liées à leur infection grippale, dont une partie vont nécessiter une hospitalisation. On va en parler un peu plus tard. Prochaine diapo. Bon, on sait que l'influenza peut être divisé en deux types principaux, l'influenza A et l'influenza B. Les souches de l'influenza A sont classées en sous-types en fonction de leurs deux protéines de surface, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Ce sont des glycoprotéines qui sont les deux déterminants antigéniques majeurs de la grippe. C'est-à-dire que quand on fait une infection contre la grippe, on développe des anticorps et une immunité principalement contre ces deux glycoprotéines de surface. Les deux protéines ont un rôle très important dans la réplication virale. Les changements dans ces protéines-là entraînent la possibilité d'une évasion de la part du virus par rapport à l'immunité populationnelle. Bon, tout ça pour dire que le H et le N donnent la nomenclature qu'on connaît bien en termes de H1, N1, H3N2, selon le type d'hémagglutinine ou de neuraminidase que nous retrouvons. Et chez l'humain, il y a principalement 3H, H1, H2, H3 et deux sous-types de NA, N1 et N2. Maintenant, les souches du virus de type B, évoluent d'une façon un peu différente. Il y a deux lignées principales, les virus qui appartiennent à la lignée Yamagata et les virus la lignée Victoria. Donc, tout ça pour mettre, si on met ça ensemble, on sait maintenant que les vaccins antigrippaux sont principalement quadrivalents et de cette façon, ils contiennent une souche de H1N1, une souche de H3N2, une souche de B Yamagata et une souche de B Victoria, qui en théorie devrait être capable de couvrir les souches principales qui circulent avec ces quatre antigènes dans leur produit. Je mentionnais un peu que la grippe a la capacité de se muter, de changer afin d'éviter l'immunité populationnelle. Donc, effectivement, au fil du temps, il y a une variation antigénique ou ce qu'on appelle une dérive antigénique des souches, que ce soit de grippe A ou de grippe B. Maintenant, les souches de grippe A, étant donné que leur génome est segmenté, donc, leur génome est vraiment fragmenté en différents morceaux, 9 morceaux. Il y a la capacité que s'il y a une infection dans un autre, que ce soit un autre animal ou un autre humain, de plus qu'une souche de grippe A, il peut avoir un réassortissement des gènes et provoquer ainsi un changement brusque et majeur dans la présentation immunologique du virus. Et ça, ce sont ces souches recombinantes ou réassortants plutôt, qui ont la capacité potentielle de causer une pandémie. On a vu ça avec la pandémie en 2009. C'était une souche réassortante de H1N1 qui combinait des gènes porcines, aviaires et humaines à l'intérieur du même virus. Cette nouvelle configuration faisait en sorte qu'il n'y avait presque personne qui avait de l'immunité antérieure et qui a permis l'éclosion rapide et la transmission mondiale de la souche H1N1 pandémique. Donc, ce saut antigénique est différent des petits changements qui arrivent à chaque année qui permettent la variation antigénique. Prochaine diapo. Donc, étant donné que on fait une surveillance mondiale pour ces changements dans les souches circulantes de la grippe, qui nous permettent ensuite d'informer les choix par rapport à quelles devraient être les souches contenues dans les vaccins saisonnières à chaque année. L'OMS détermine les composants du virus à inclure dans le vaccin pour l'hémisphère nord. Habituellement, ça se fait au mois de
au mois de février ou mars pour la saison qui va commencer, par exemple, chez nous, le programme vaccinal qui va commencer début novembre ou dans certaines parties a déjà commencé. Donc, je parlais qu'on peut avoir des vaccins trivalents qui comprennent trois souches, une souche H1N1, H3N2 et une sélection d'une des souches B, soit Yamagata ou Victoria, alors que les vaccins quadrivalents contiennent les deux lignées d'influenza B. Donc, dépendamment de ça, ça pourrait améliorer la couverture vaccinale en termes des souches qui circulent. On sait que ces choix-là sont basés sur les informations qu'on a sous la main, mais le virus peut aussi muter ou changer en intérim parce que ça prend quand même plusieurs mois pour produire les vaccins antigrippaux. Donc, c'est possible alors que la souche vaccinale ne soit pas bien matchée, j'oublie le terme en français, ne soit pas bien appariée avec la souche, les souches circulantes. Et c'est une des raisons pour laquelle, des fois, le vaccin antigrippal a une moins bonne efficacité une année par rapport à l'autre. Mais c'est sûr aussi que la personne qui reçoit le vaccin, donc son état de santé, son âge, peuvent aussi influer l'efficacité du vaccin pour cet individu-là. On reformule les vaccins contre la grippe saisonnière à chaque année à cause de ces changements-là, mais l'importance de la vaccination à chaque année est non seulement parce que les souches changent dans le vaccin, mais aussi parce que le vaccin induit une immunité qui dure plusieurs mois, mais probablement pas une année au complet. Donc, après, d'une saison à une autre, c'est important de se redonner ce boost d'immunité contre la grippe avec la vaccination annuelle, et d'autant plus que ça se peut que les composants aient changé entre-temps. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On sait, par exemple, que bon an, mal an, les vaccins antigrippaux réduisent le risque d'attraper la maladie, une maladie grippale ou les complications sévères telles que l'hospitalisation et même la mortalité. Même en pédiatrie, où est-ce que la mortalité est quand même très infréquente pour l'influenza, il y a eu des études faites par les CDC aux États-Unis qui ont démontré que la vaccination antigrippale a une efficacité pour prévenir la mortalité en pédiatrie. Ça aussi, c'est tout à fait vrai chez les adultes. Mais il y a une variabilité d'année en année. Heureusement, au Canada, on a un excellent système qui nous permet de mesurer cette efficacité vaccinale à chaque année. C'est un réseau canadien de surveillance Sentinelle et comme vous voyez, d'une année à une autre, on a un taux de succès, ou c'est-à-dire une efficacité vaccinale qui tourne autour de 50% pour réduire les chances qu'il y ait qu'une personne vaccinée, comparativement à une personne non vaccinée, ait besoin de consulter un médecin pour une infection, un syndrome d'allure grippale. Donc, on parle d'une efficacité vaccinale d'environ 50% overall, mais qui peut atteindre même des fois au-dessus de 90%. Un prochain diapo, s'il vous plaît. Cette année, l'OMS, pour les vaccins antigrippaux quadrivalents, recommande les souches suivantes. Des fois, il y a des petites différences entre les vaccins à base 2 et les vaccins à base de cellules de mammifères, mais vraiment, c'est pas des différences énormes. On sait aussi que les vaccins trivalents qui existent encore ont leurs recommandations aussi par l'OMS. Une prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour ce qui est de la couverture vaccinale, l'objectif au Canada, et en fait l'OMS suggère aussi des objectifs, mais au Canada, on veut vacciner 80% des personnes qui ont un risque élevé de complications liées à la grippe. On n'est pas rendu là, malheureusement. On voit ici les données des trois dernières saisons grippales. Overall, pour tous les adultes, on a une couverture vaccinale d'environ 40%. Pour les adultes de 18 à 64 ans qui n'ont pas de comorbidité significative, on parle d'environ une personne sur trois, un peu moins, qui sont vaccinées.
Là où est-ce qu'on on a vraiment beaucoup de travail à améliorer la couverture vaccinale, je crois, c'est chez les personnes de 18 à 64 ans qui ont une comorbidité significative qui les met à risque de complications de leur d'une infection influenza. On atteint seulement 40 % environ de ces personnes-là. Ça serait vraiment là où est-ce que je crois qu'il faudrait mettre une grande partie des efforts. Ensuite, on sait très bien que les aînés sont à haut risque de complications de par leur âge, 65 ans et plus, 75 ans et plus, encore un risque d'autant plus élevé. On devrait atteindre 80 %. Malheureusement, on est à 70 % de taux de vaccination chez nos aînés. Encore du travail à faire, je crois, pour réussir à atteindre nos objectifs au Canada. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, à retenir, la vaccination prévient les infections grippales et leurs complications et aussi réussit à diminuer la transmission communautaire de l'influenza. Bien que la plupart des gens qui sont infectés vont se rétablir leur maladie au bout d'une semaine environ, la grippe peut avoir des complications graves, dont l'hospitalisation et la mort, en particulier chez les populations plus vulnérables, soit à cause de leur âge ou à cause de comorbidités sous-jacentes. La vaccination annuelle est nécessaire pour assurer la meilleure protection possible contre le virus qui devrait circuler cette année encore une fois, parce que la réponse immunitaire ne persiste pas au-delà d'un an et les souches circulantes changent d'année en année. En 2020-2021, une année absolument hors norme, presque pas d'activité grippale, mais on s'attend à ce que ce soit en fait très probable ou très possible que cette saison 2021-2022 soit au-delà de la moyenne en termes de l'intensité de la circulation de l'influenza. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer, mais on doit se préparer. Donc, c'est sûr qu'en plus, durant la pandémie de COVID-19, il y a d'autant plus d'importance à réduire la morbidité et mortalité liées à la co-circulation potentielle de l'influenza et la COVID-19, ainsi que le fardeau sur le système de santé. Je pense que cette année, encore plus que d'habitude, l'importance d'aller améliorer notre couverture vaccinale au Canada. Prochaine diapo. Merci. Alors, je reviens. C'est le temps de faire un sondage interactif pour tester les connaissances que vous avez sur la grippe saisonnière. Alors, on va partir le sondage maintenant. La première question. Donc, les vrais ou faux? Les personnes âgées qui ont 65 ans et plus et ceux qui sont âgés de 18 à 64 ans qui ont des problèmes de maladie chronique et qui présentent un risque accru de complications et d'hospitalisation liées à la grippe. Donc, vrai ou faux? Est-ce qu'ils sont à plus haut risque? On va se donner quelques secondes. Et les résultats maintenant? And we're going to put the results on. Vrai, tout le monde là. Excellent. Pour la deuxième question. And the second question? Merci. En raison de la nature de leur travail, les fournisseurs de soins de santé primaire peuvent transmettre par inadvertance, donc pas de manière intentionnelle, la grippe aux personnes qui sont à haut risque par le biais de leurs activités. Vrai ou faux, on se donne à peu près 5 secondes. Et les résultats? C'est vrai. Excellent. Je vous remercie. Alors, on continue avec la présentation. De retour à vous, Dr. Papenberg. Merci. Next slide. Prochaine. Donc, on va parler maintenant de comment cerner et surmonter les obstacles face à nos rencontres, où est-ce qu'on peut améliorer l'adoption de la vaccination antigrippale. Prochaine diapo. Les conversations sur le vaccin contre la grippe saisonnière pourraient être un peu difficiles cette année, ou du moins particulières. Les gens voudront peut-être savoir quel type de vaccin est le vaccin contre la grippe, parce que maintenant, tout le monde est au courant des vaccins ARN, les vaccins à vecteur viral, inactivés. Les gens connaissent ça un peu mieux. Et ils vont vouloir savoir comment ça fonctionne et quelle est son efficacité.
Donc, soyez prêts à répondre aux questions en utilisant un langage simple et en donnant des informations précises, mais d'une manière culturellement sensible et aussi, bien sûr, adaptée à l'âge. Donnez-les l'information. Je pense que c'est important de donner de l'information sur les répercussions possibles de la gravité de la maladie par rapport à l'efficacité globale des vaccins. Donc, vraiment, notez que les vaccins sont très efficaces à prévenir la maladie sévère. Donc, diminuer le risque d'avoir besoin de consulter un médecin ou d'être hospitalisé pour l'influenza. À chaque année, les vaccins réduisent ce risque-là, même s'il y a des années où est-ce que les vaccins fonctionnent mieux que d'autres. Donc, l'emphase sur la mise au point et le déploiement des vaccins contre la COVID-19 au cours de la dernière année pourrait amener les gens à poser plus de questions sur le vaccin antigrippal et j'espère qu'on va être prêt à répondre à ces questions-là. La prochaine diapo. Donc, pourquoi est-ce que les gens peuvent-ils hésiter à se faire vacciner? En fait, on sait très bien qu'il y a tout un spectre de gens en termes de leur attitude face au vaccin. Il y en a qui sont très en faveur de la vaccination et qui vont vraiment être très motivés pour se faire vacciner contre l'influenza ou d'autres pathogènes. Et il y en a d'autres qui sont complètement contre les vaccins en général. Mais entre ces deux pôles-là, il y a beaucoup de gens qui ont de l'hésitation. Et donc, on peut utiliser le modèle des 5C qui résume les principaux facteurs qui peuvent influencer l'hésitation à se faire vacciner. Donc, la confiance, le degré de confiance à l'égard de l'efficacité et de l'innocuité des vaccins. Donc, l'information peut les aider. Des systèmes qui administrent les vaccins doivent avoir confiance dans le système de santé et des motifs de ceux qui établissent les politiques sur les vaccins et aussi les motifs des gens qui sont en train de leur jaser de la vaccination antigrippale. La complaisance. Il peut avoir une perception que les risques de maladies évitables par la vaccination sont faibles et que les vaccins ne sont pas vraiment nécessaires pour eux. Convenance. Mesure dans laquelle les vaccins sont disponibles, abordables, accessibles, rendre ça facile pour les gens. Et la capacité pour les gens de comprendre. Donc, les connaissances linguistiques et en matière de santé doivent être adaptées à leurs besoins. Le calcul. Donc, il y a des gens qui vont aller chercher de l'information de différents endroits pour essayer de faire une analyse de risque-bénéfice pour eux. Donc, il y a cette participation individuelle à une recherche d'informations approfondie, à l'évaluation des risques d'infection versus ceux qui sont liés à la vaccination. Donc, c'est important de leur fournir des informations qui sont valides. La collectivité, donc cette responsabilité collective qu'on peut ressentir, c'est la mesure dans laquelle une personne est prête à protéger les autres en se faisant vacciner. Donc, c'est un peu faire appel à l'altruisme des gens, sachant que non seulement se vacciner nous protège, mais ça peut potentiellement éviter qu'on participe à la transmission communautaire qui, elle, peut affecter des gens qui sont plus à risque que nous. Prochaine diapo. Donc, les discussions sur la confiance envers les vaccins commencent par la détermination des connaissances, des attitudes et des croyances d'une personne à l'égard des vaccins contre la grippe. La raison de la plus courante invoquée par tous les répondants adultes pour ne pas se faire vacciner est qu'ils sont déjà en bonne santé ou ne contractent jamais la grippe. Presque 3 personnes sur 4 vont répondre que l'opinion de leur médecin de famille et omnipraticien ou infirmière praticienne était un facteur important dans leur décision de se faire vacciner contre la grippe. Donc, on a tous vraiment une certaine responsabilité et un rôle à jouer dans ces décisions-là. Ça peut être très positif. 91% des personnes interrogées pensent que le vaccin contre la grippe est sans danger, mais 40% d'entre elles pensent qu'il pourrait leur transmettre la grippe, qui est évidemment complètement faux. Et 34% sont d'accord pour dire que le vaccin contre la grippe ne les empêche pas de contracter la grippe. Prochaine diapo. Donc, il est essentiel de comprendre les facteurs qui empêchent les gens de se faire vacciner pour entamer des discussions respectueuses sur les vaccins. Utiliser des énoncés présomptifs qui transmettent la norme sociale que la vaccination et l'attente selon laquelle les patients se feront vacciner lorsque vous amorcez une discussion avec des patients au sujet du vaccin. Donc, vraiment, commencer avec cette idée positive que on s'attend, quand est-ce que vous allez vous faire vacciner ou de quelle façon vous pensez pouvoir vous faire vacciner, vraiment en pensant que le baseline, c'est se faire vacciner.
Parlez de vos propres expériences avec la vaccination, de la vaccination d'autres patients ou de la façon que vous avez choisi de faire vacciner vos proches ou que vous avez encouragé de se faire vacciner. Activez les bonnes émotions. Donc, soyez intentionnel et démontrez des émotions positives comme l'espoir, l'amour, la fierté, la préoccupation pour les autres, la bienveillance, plutôt que d'évoquer la honte ou la tristesse ou la culpabilité. Donc, on veut rester positif et surtout éviter les jugements et les étiquettes. Prochaine diapo. C'est le temps de notre deuxième sondage, le deuxième quiz. Donc, selon l'enquête sur la couverture vaccinale 2020-2021 qui a été conduite par l'Agence de la santé publique du Canada, qu'on a vu un petit peu plus tôt, il y a deux diapos, quel pourcentage des répondants a indiqué que l'opinion de leur médecin de famille, omnipraticien ou infirmière praticienne était un facteur important dans leur décision de se faire vacciner contre la grippe saisonnière? On se donne un petit 5 secondes. Et maintenant, les résultats. Excellent, tout le monde a bien la réponse. On a, en tant que professionnel de la santé, un impact assez important sur la décision de nos clients à prendre la décision de se faire vacciner. Alors, c'est 74 %. Merci. De retour à vous, Dr. Papenberg. Merci. Prochaine diapo. Maintenant, pour ce qui est des recommandations du Comité consultatif national sur l'immunisation, le CCNI, prochaine diapo. C'est un organisme consultatif d'experts externes qui fournit des conseils indépendants à l'Agence de la santé publique du Canada sur l'utilisation optimale des vaccins au Canada. Le CCNI formule des recommandations concernant la vaccination des individus ainsi que sur les programmes de vaccination qui sont administrés, elles, par les provinces et les territoires, parce que c'est leur responsabilité en termes de leur propre politique en matière de vaccins et de programmes d'immunisation. Il est normal que le CCNI fasse des recommandations plus ou moins larges que les conditions d'utilisation approuvées par Santé Canada. Donc, il peut y avoir des utilisations au-delà de ce qui a été strictement approuvé par Santé Canada. Chaque année, le CCNI publie une déclaration sur la vaccination contre la grippe et ce document informe les prestataires de soins de santé sur l'utilisation optimale des vaccins antigrippaux disponibles au Canada en se fondant sur les informations les plus récentes. Les recommandations sur l'utilisation du vaccin antigrippal dans le cadre de la COVID-19 ont également été élaborées en consultation avec le CCNI. Prochaine diapo. Donc, qui devrait recevoir le vaccin contre la grippe? En fait, cette recommandation est faite pour toute personne de l'âge de 6 mois et plus qu'il ne présente aucune contre-indication à l'administration du vaccin. Plus particulièrement, les personnes présentant un risque élevé de complications ou d'hospitalisation liées à la grippe, les personnes qui pourraient transmettre la grippe à des sujets à risque élevé, les personnes présentant un risque élevé de maladies graves à la COVID-19 et d'autres. Prochaine diapo. Bon, qui sont ces personnes qui présentent un risque élevé de complications ou d'hospitalisation liées à la grippe? Les jeunes enfants en bas de 5 ans, mais tout particulièrement de 6 à 23 mois aussi, les personnes qui sont enceintes, les résidents d'une maison de retraite ou d'autres établissements de soins de longue durée. On a vu avec la pandémie que ces endroits peuvent être très propices à la propagation de virus respiratoires. Et chaque année, malheureusement, il y a des éclosions d'influenza dans les soins de longue durée qui peuvent avoir une mortalité importante. Les personnes de 65 ans et plus, ainsi que les personnes autochtones. Et finalement, les adultes et les enfants qui sont atteints d'une affection chronique à haut risque. Donc, quelles sont ces comorbidités à haut risque? Les maladies cardiaques ou pulmonaires, le diabète de type 1 ou de type 2 et d'autres maladies métaboliques, le cancer ou d'autres troubles conduisant à l'immunodépression, que ce soit par la maladie elle-même ou le traitement d'une maladie avec des agents immunosuppressifs, la néphropathie chronique, une anémie ou une hémoglobinopathie, telle la maladie falciforme, les troubles neurologiques ou le développement du développement neurologique, l'obésité morbide, donc un indice de plus de 40,
ainsi que les enfants et les adolescents qui, sous traitement chronique d'acide acétylsalicylique, l'aspirine, qui sont à risque de développement de maladie de Rye si jamais ils développeraient une infection grippale. Prochaine diapo. Il y a aussi les personnes qui pourraient transmettre la grippe à des sujets à risque élevé, donc les fournisseurs de soins de santé, les intervenants dans les établissements immunocommunautaires, de par leurs activités, pourraient transmettre la grippe à des sujets à risque élevé de complications. Et ces personnes-là, ça peut être partie de leur emploi ou non. Donc, les travailleurs de la santé, les répondants d'urgence, les travailleurs des établissements de soins continus de longue durée, les soignants à domicile, que ce soit de la famille ou autres, étudiants dans le domaine de la santé, les bénévoles et les visiteurs fréquents. En raison de leur profession, des contacts directs qu'ils ont avec ces personnes à haut risque, les travailleurs de la santé courent eux-mêmes des risques plus importants de se faire infecter que le reste de la population. Et finalement, ne jamais oublier que si vous êtes malade, restez à la maison afin de freiner la transmission. Prochaine diapo. Il y a aussi les contacts familiaux des personnes à risque, que ces personnes soient vaccinées ou pas. Donc, les contacts familiaux de personnes à risque élevé, les contacts familiaux de nourrissons qui sont trop jeunes, donc moins de 6 mois pour être éligibles pour recevoir le vaccin et qui sont à risque élevé d'hospitalisation avec une infection grippale. Les membres de manège devant accueillir un nouveau-né durant la saison grippale. Donc, on peut faire un cocooning. Les personnes qui s'occupent régulièrement d'enfants de bas âge, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, et les personnes qui fournissent des services à des sujets à risque élevé dans un milieu fermé ou relativement fermé. Prochaine diapo. Donc, les personnes qui comportent un risque de maladie grave relié à la COVID-19, on veut justement prévenir leur santé pour ce qui est des infections à la grippe et de la SARS-CoV-2. Et on sait qu'il y a énormément de chevauchements en termes de facteurs de risque pour ces deux maladies. Juste avant, je mentionnerais que le CCNI a fait des recommandations qu'on peut administrer en même temps la vaccination COVID-19 et la vaccination influenza, ce qui est particulièrement important avec les nouvelles recommandations par rapport au booster ou troisième dose dans certaines populations à risque de COVID-19. Donc, aux personnes qu'on veut vacciner sont les personnes qui fournissent des services communautaires essentiels et les personnes en contact direct avec la volaille qui sont potentiellement infectées par le virus de la grippe aviaire durant les activités d'abattage. La prochaine diapo. Pour ce qui est du calendrier contre la grippe saisonnière, on sait que les enfants de 6 mois à 9 ans qui n'ont jamais été vaccinés contre la grippe doivent recevoir 2 doses durant leur première saison à 4 semaines d'intervalle, alors que toutes les autres personnes peuvent recevoir 1 dose par année. Prochaine diapo. Ce qu'il y a de nouveau ou de mise à jour en 2021-2022, tous les vaccins contre la grippe saisonnière, y compris le vaccin vivant atténué, peuvent être administrés en même temps, à tout moment avant, à tout moment après, que de l'administration d'autres vaccins, y compris la vaccination contre la COVID-19. Et les types de vaccins contre la grippe disponibles au Canada pour cette saison, de même que les indications correspondantes, sont énumérées dans une prochaine diapo. Prochaine diapo. Nouveau vaccin antigrippal quadrivalent inactivé à dose standard. Il y a une nouvelle marque qui est maintenant disponible pour les enfants âgés de 3 ans et plus. Le vaccin quadrivalent à haute dose. Avant, c'était un vaccin trivalent à haute dose. Donc, le Fluzone haute dose quadrivalent est maintenant une option pour les adultes de 65 ans et plus. Cette plus haute dose a été démontrée de pouvoir susciter une meilleure immunité chez les aînés qui, on sait, avec l'immunosénescence, peuvent avoir des taux d'anticorps moins élevés et moins protecteurs lorsqu'ils se font vacciner. Donc, Fluzone haute dose quadrivalent maintenant disponible. Il y a aussi maintenant le Flucelvax Quad qui est autorisé chez les enfants des personnes de 2 ans et plus. C'est un vaccin issu de culture cellulaire mammalienne. Prochaine diapo. Bon, qui ne devrait pas se faire vacciner contre la grippe? Ce sont les personnes qui ont déjà eu une réaction anaphylactique, donc une réaction allergique sévère à une dose antérieure du vaccin contre la grippe.
les personnes qui ont déjà eu une réaction anaphylactique à l'un des composants de la grippe, du vaccin contre la grippe, à l'exception des œufs, et les personnes qui ont présenté un syndrome de Guillain-Barré dans les 6 semaines suivant la vaccination, à moins qu'une autre cause pour ce syndrome de Guillain-Barré n'ait été établie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, le vaccin vivant atténué a certaines contre-indications particulières. La première, c'est que les personnes atteintes d'affectations immunodéprimantes dues à une maladie sous-jacente ou à un traitement ou aux deux, à l'exception des enfants souffrant d'une infection stable au VIH, ça c'est relativement nouveau depuis l'année passée, recevant un traitement antirétroviral hautement actif et avec une fonction immunitaire adéquate, ces enfants sont éligibles pour la vaccination vivant atténuée, le FluMist si vous voulez, mais les affectations immunodéprimantes sont une contre-indication. Les personnes atteintes d'asthme grave, c'est-à-dire, donc c'est vraiment un asthme grave qui a besoin, qui reçoivent actuellement une glucocorticothérapie par voie orale, donc on parle de stéroïdes systémiques et non pas inhalés, ou des fortes doses de glucocorticoïdes par inhalation, donc pardon, je me reprends, donc c'est soit des stéroïdes systémiques ou des hautes doses par inhalation, ou qui présentent présentement une respiration sifflante active. Ou les personnes ayant une respiration sifflante qui a nécessité une intervention médicale au cours des 7 jours précédant la date prévue de l'immunisation, parce qu'elles courent un risque accru d'une respiration sifflante après l'administration de ce vaccin vivant atténué par voie intranasale. Toutefois, le vaccin vivant atténué n'est pas contre-indiqué pour les personnes ayant des antécédents d'asthme stable ou de respiration sifflante récurrente. Prochaine diapo. Encore la suite, c'est que les enfants de moins de 24 mois, en raison du risque d'accru de respiration sifflante après l'administration du vaccin vivant atténué, ne sont pas éligibles pour le FluMist. Les enfants et les adolescents de 2 à 17 ans qui prennent actuellement de l'aspirine ou suivent un traitement contenant de l'aspirine ne sont pas éligibles pour le FluMist. Et toutes les femmes enceintes non plus ne sont pas éligibles pour le FluMist. Toutefois, ce vaccin vivant atténué n'est pas contre-indiqué chez les femmes qui allaitent. Prochaine diapo. Le vaccin vivant atténué ne doit pas être administré dans le contexte d'administration récent ou concurrent d'antiviraux parce que ces antiviraux pourraient inhiber l'activité du vaccin vivant atténué. Et si les antiviraux sont administrés pendant cette période, entre 24-48 heures avant la vaccination ou à 2 semaines après la vaccination, il faudrait envisager une revaccination 48 heures après l'arrêt du traitement antiviral ou utiliser un vaccin inactivé contre l'influenza qui peut être administré à tout moment. Prochaine diapo. On voit ici les doses pour qui sont recommandées selon l'âge. Il peut y avoir certaines variations selon les différents produits, mais reste quand même que le dosage est quand même assez stable à travers les produits et à travers les tranches d'âge. Toutes ces informations vous sont disponibles dans le chapitre sur la grippe et la vaccination antigrippale dans le Guide canadien d'immunisation ainsi que dans d'autres documents. Prochaine diapo. Donc, discutez de l'importance du vaccin contre la grippe avec vos patients, surtout s'ils présentent un risque élevé de complications liées à la grippe, s'ils peuvent transmettre par inadvertance la grippe à des sujets à risque élevé, s'ils présentent un risque élevé de maladies graves liées à la COVID-19 ou s'ils fournissent des services communautaires essentiels. Il est essentiel de comprendre des facteurs qui empêchent les gens de se faire vacciner pour entamer des discussions respectueuses et positives sur les vaccins. Utilisez les 5 C de la confiance dans les vaccins pour cerner et éliminer les obstacles à l'adoption des vaccins, soit la confiance, la complaisance, la convenance, le calcul et la collectivité. Prochaine diapo. Le CCNI a publié des recommandations à l'intention des fournisseurs de soins de santé sur le choix approprié du vaccin contre la grippe saisonnière pour la saison 2021-2022, notamment des informations sur la grippe saisonnière et les vaccins contre la grippe, les produits vaccinaux recommandés pour des groupes d'âge et des âges précis, pour des groupes de personnes et des âges précis,
Les contre-indications des différents vaccins, en particulier pour le vaccin vivant atténué, et la dose et les voies d'administration des différents produits vaccinaux. Vous pouvez consulter ces recommandations complètes sur le choix du vaccin contre la grippe saisonnière et plus encore dans les documents qui sont ici pour vous. Prochaine diapo. Nous voici maintenant au dernier sondage de la séance d'aujourd'hui. S'il vous plaît, mettre la question. Donc, dans lequel des cas suivants le vaccin contre la grippe qui est vivant atténué, donc FluMist, le vaccin intranasal est-il contre-indiqué? Donc, qui ne peut pas le recevoir? Les personnes qui ont des antécédents d'asthme stable, les personnes qui sont enceintes, ou les enfants qui souffrent d'une infection stable au VIH, qui reçoivent un traitement antirétroviral hautement actif et dont le système immunitaire fonctionne assez bien. Pendant que vous répondez à la question, je vous invite encore une fois à poser vos questions pour le Dr. Papenburg pour la séance de questions-réponses qui sera somme toute assez, assez brève parce qu'on avait beaucoup de contenu à couvrir aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, la réponse, c'est ça. On a dit les enfants qui souffrent d'une infection stable au VIH maintenant peuvent, avec le reste de la réponse, eux pourraient le recevoir, mais les personnes qui sont enceintes, on ne recommande pas qu'ils reçoivent le vaccin intranasal. Et de retour à vous, Dr. Papenburg, pour le dernier segment du webinaire. Merci. Donc, on va terminer avec brièvement en parlant des antiviraux. Prochaine diapo. Est-ce que les antiviraux sont recommandés pour traiter la grippe? En fait, on sait parce que vu que la plupart des personnes qui contractent la grippe présentent généralement une forme légère et n'ont pas besoin de soins médicaux, de médicaments antiviraux, la grande majorité des personnes n'ont pas besoin de traitement spécifique antiviral. Toutefois, on sait que les évidences des études randomisées et des études observationnelles démontrent que l'utilisation des antiviraux, surtout durant les 48 premières heures suivant le début des symptômes, peuvent réduire les symptômes, la durée des symptômes et améliorer les issues cliniques et réduire le risque de complications de la grippe. Les prestataires de soins peuvent envisager de prescrire des antiviraux pour réduire la morbidité, morbidité et la mortalité reliées à la grippe, en particulier chez les personnes qui appartiennent à des groupes à haut risque ou qui sont gravement malades, particulièrement les personnes hospitalisées. Leur utilisation dépendra d'un certain nombre de facteurs, tels que le risque pour le patient d'influenza compliquée, les antécédents pertinents, ainsi que la durée des symptômes, la progression des symptômes et la gravité des symptômes. Prochaine diapo. Il existe 4 antiviraux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada pour le traitement de la grippe. Les 3 premiers sont des inhibiteurs de la neuraminidase. On a mentionné que la neuraminidase est une glycoprotéine essentielle à la réplication virale. La plus connue, c'est l'oseltamivir, qui est administré par voie orale, le Tamiflu, qui est soit en comprimé ou en suspension liquide, approuvé pour utilisation chez toute personne de 14 jours ou plus d'âge. Il y a une version générique qui est disponible au Canada. Le zanamivir est une poudre pour inhalation qui est administrée à travers un dispositif en plastique, un descaler, si vous voulez. C'est indiqué pour les personnes de 7 ans ou plus, parce que ça prend quand même une certaine coordination que les jeunes enfants n'ont pas afin de l'administrer adéquatement. Ce n'est pas recommandé chez les patients qui souffrent de maladies réactives des voies respiratoires telles que l'asthme ou l'EMPOC, puisque ça peut provoquer une exacerbation de ces maladies. Le peramivir est le seul antiviral qui peut être administré par voie intraveineuse. Il est approuvé, mais non commercialisé au Canada, donc disponible par voie de demande spéciale à Santé Canada, approuvé pour utilisation chez les personnes de 2 ans ou plus. Finalement, il y a un nouveau produit, une nouvelle classe de molécules qui s'appelle le baloxavir marboxil, comprimé, seulement une dose à donner pour tout un traitement. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Approuvé uniquement chez les personnes de 12 ans ou plus qui ont une infection non compliquée. Donc, uniquement dans le contexte de traitement dans la communauté et non pas pour les personnes hospitalisées.
À noter que tous les virus en circulation, que ce soit H1N1, H3N2 ou influenza B, sont résistants aux adamantanes, donc amantadine. Donc, l'amantadine n'est pas recommandée pour le traitement de la grippe. Prochaine diapo. Donc, les principes généraux sont que le traitement antiviral doit être commencé aussi rapidement que possible après l'apparition de la maladie, car les bienfaits du traitement sont beaucoup plus importants si celui-ci est amorcé dans 12 heures après le début de la maladie ou même, mais surtout dans les 48 heures depuis le début de la maladie. Le traitement antiviral doit commencer même si l'intervalle de temps est plus que 48 heures, si le patient est suffisamment malade pour nécessiter une hospitalisation. Si la maladie est progressive, grave ou compliquée, on parle de pneumonie à influenza, quel que soit l'état de santé antérieur du patient, donc des patients à l'externe qui ont une maladie grave ou compliquée ou progressive, ou si un patient à l'externe appartient à un groupe à risque élevé de complications d'influenza, on veut traiter ces personnes-là qui sont à risque, surtout s'ils présentent dans les 48 heures après le début des symptômes, mais même 3, 4 ou 5 jours après, si ces groupes particuliers, on peut utiliser les antiviraux contre l'influenza. Prochaine diapo. Les patients autrement en bonne santé, atteints de grippe relativement légère et spontanément résolutive, ne profiteront probablement pas d'un traitement aux inhibiteurs d'aminuraminidase amorcé plus de 48 heures après l'apparition de la maladie. Donc là, vraiment, dans ces personnes-là, on parle d'une limite stricte de 48 heures après le début des symptômes. Les patients qui ne reçoivent pas initialement un traitement antiviral doivent être informés des symptômes et des signes d'aggravation de la maladie qui pourraient justifier une réévaluation de du besoin de traitement ou de besoin d'hospitalisation. La durée du traitement doit être systématiquement de 5 jours pour le Tamiflu et le Zanamivir, mais des fois, dans certains cas particuliers tels que des personnes gravement malades à l'hôpital aux soins intensifs ou des personnes immunodéprimées, on peut parler d'une prolongation de la durée du traitement. Et ces directives de l'Association des médecins microbiologistes et infectiologues du Canada sont disponibles sur le site web de AMI Canada. Prochaine diapo. Merci, Dr. Papenberg. En conclusion, je veux vous rappeler qu'il y a plusieurs ressources qui sont disponibles à travers l'Agence de la santé publique du Canada sur canada.ca/grippe qui peuvent vous aider dans votre pratique à faire la promotion de la vaccination contre l'influenza saisonnière. Nous avons entre autres des affiches que vous pouvez imprimer en couleur, des accessoires pour les médias sociaux, donc des bannières et des trucs comme ça. On a aussi des messages qu'on donne sur nos différents médias sociaux qu'on utilise, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, sur le site Canada en santé de YouTube. En tant que professionnel de la santé, on a le guide mobile à l'intention des professionnels de la santé sur la vaccination antigrippale. Précédemment, c'était un guide qui se présentait sous forme de papier. Puis là, parce qu'on vous rencontre moins en personne, on a pensé vous faire un guide avec un focus qui soit de plus en plus facile à consulter sur une tablette ou sur un téléphone, par exemple. Donc, je vous invite à consulter cette ressource-là en particulier parce que c'est un sommaire du chapitre du guide d'immunisation canadien et des recommandations du CCMI sur les vaccinations contre la grippe. Donc, c'est un bon complément pour consultation rapide en milieu de travail, entre autres. Prochain, s'il vous plaît. On vous invite aussi à vous joindre au réseau de sentinelles sur le syndrome grippal, soit en tant que professionnel de la santé à travers EpiGrippe ou en tant qu'individu ou famille à travers Action Grippe. Les consignes pour vous inscrire à l'un ou l'autre des volets de la surveillance contre la grippe canadienne sont inclus dans la diapo ici. Prochain. Bon, là, je regarde. On n'a pas de questions en ce moment pour tout de suite pour Dr. Papenberg. Si vous avez des questions, je vous donne quelques secondes pour
pour vous décider à les poser. Je suis aussi consciente qu'on a reçu des questions avant l'événement et on les a communiquées. Puis en fait, toutes les questions qui nous ont été posées à l'avance ont été intégrées dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, soit sur les diapositives ou encore à travers la présentation de Dr. Papenburg. Je vous rappelle aussi que les présentations, l'enregistrement de la présentation, mais la présentation PowerPoint vont aussi être disponibles sur le site du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses pour que vous puissiez les télécharger. Puis on va s'assurer que vous ayez les hyperliens qui soient intégrés dans le document de la présentation pour pouvoir cliquer sur les différentes ressources qu'on vous a proposées durant le webinaire et aussi sur nos sources de référence pour que vous puissiez vous-même aller consulter ces références-là au besoin. Je voudrais mettre un focus particulier aussi. Vous allez voir dans la présentation, j'ai que le mot en anglais, je m'excuse en ce moment, on appelle le primer pour la vaccination, la confiance envers les vaccins. Donc, il y a un document que vous allez voir qui vous donne beaucoup plus d'outils sur comment stimuler la confiance envers les vaccins, comment avoir une meilleure compréhension des facteurs qui nous aident à comprendre l'hésitation à la vaccination, mais aussi à proposer des dialogues positifs pour soutenir les clients à faire le choix qui leur convient le mieux. Prochaine acétate, s'il vous plaît. Bon, bien, sur ce, je tiens à remercier Dr. Papenburg très particulièrement d'avoir pris le temps de présenter au webinaire d'aujourd'hui. Je souhaite aussi remercier tout le monde d'avoir pris le temps de partager votre éducation sur la saison grippale. Et puis, j'espère que les informations fournies vont vous aider dans le contexte de votre pratique. Nous tenons à remercier en particulier tous les fournisseurs de soins de santé, les professionnels de la santé, les gens qui travaillent dans les cliniques de vaccins, les programmes de vaccins pour tout le gros travail que vous avez fait durant la pandémie de COVID-19, SARS-CoV-2, mais aussi pour tous les efforts que vous déployez dans la saison grippale pour aider à vacciner autant de gens que possible. Vous allez voir à la sortie du webinaire qu'il y a une évaluation qui va vous être proposée. Nous apprécions votre contribution. Ça nous aide, nous, à comprendre mieux vos besoins d'apprentissage, mais aussi vos préférences. Donc, gênez-vous pas pour ajouter des commentaires lorsque vous en aurez l'opportunité. Puis ça va nous aider à vous donner des événements éducatifs qui vont vraiment soutenir votre pratique encore mieux. Donc, merci beaucoup encore, Dr. Papenburg, et tous les gens qui ont contribué à organiser le webinaire d'aujourd'hui. Bonne journée.